Dans ce grand camion, 15 000 litres de fioul, et pour ce particulier, de quoi se chauffer une grande partie de l'hiver. Ben là, on met 500 litres sur une cuve et 500 litres sur une deuxième cuve. Mais petite particularité de cette livraison, il s'agit d'une commande groupée, et ce retraité paye donc moins cher son litre de fioul, un soulagement en ces temps d'inflation. J'ai fait rentrer par précaution, mais entre ce que j'ai fait rentrer il y a un mois et le prix que je le paye aujourd'hui, même avec un avantage intéressant, ça représente 24 centimes d'augmentation en moins d'un mois. C'est vraiment vertigineux. Je me mets à la place d'un tas de gens qui ne vont pas pouvoir se chauffer cet hiver parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer leur facture de fioul. Après les particuliers, livraison dans l'école de la commune. Face aux multiples pénuries, il fallait trouver des solutions. Et pour faire des économies, rien de tel, selon le maire, que les tarifs de groupe. On ne sait pas trop l'hiver s'il sera rude. Je ne sais pas pour l'instant, je ne suis pas Madame Soleil. Mais je pense que c'est un service donné aux administrés en se regroupant pour qu'ils puissent faire remplir leurs cuves pour prévenir justement du froid de l'hiver. 15 particuliers ont déjà bénéficié de cette commande de groupe. Si l'opération est un succès, cette initiative se renouvellera l'année prochaine.